Hello guys! On est à Seattle. Il est présentement 10h moins 10. On s'est donné rendez-vous hier soir. On s'est donné rendez-vous hier soir à 10h matin, ça va déjeuner. Avec l'autre FA et peut-être le capitaine. On va voir s'il va être là à 10h. Donc je monte ma chambre vite et on part. On est à Seattle aussi ce soir. On revient ce soir. Donc deux nuits de suite à Seattle. C'est cool. Je monte ça. C'est une petite chambre. Les bonnets de douche pour mes potes dans mes valises, si vous savez pas comment vous en servir, les bonnets de douche. Et ma vue. Seattle, il fait 10, un peu comme à Vancouver. Au plein. Et. Salle de bain et comptoir. C'est parti! Mega French toast. Et toi, qu'est-ce que t'as? Des œufs bacon.
essaie de faire des ballons pour le mur de gomme. Ça marche plus. Yark! Chacalou. Ici. Arc, c'est dégueulasse. Tiens, ma gomme, j'ai participé au mur de gomme. De notre promenade en ville. C'était super cool. On se sentait en vacances. C'était vraiment le fun. Dans le fond, là, il est 1h. Il est 13h. À 13h45, c'est le pick-up en bas à l'hôtel. J'ai acheté... moi, j'aime ça les affaires de touristes. Je me fais... comme une collection de tasses à café de toutes les villes que je vois. J'ai commencé à faire une collection d'aimants pour le frigidaire de toutes les places que je vais. Et puis là, j'ai trouvé de quoi pour mon sapin de Noël. J'aime ça personnaliser mon sapin de Noël. C'est pas juste des boules plates, rondes. Pis... Fait que je vous montre ça, c'est quoi j'ai acheté. Voici ce que j'ai acheté. Mon aimant pour le frigidaire, il est super beau. Un signet. Un shooter, parce que j'aime ça collectionner aussi les shooters des places. Ma tasse, je la trouve vraiment belle.
et pour mon sapin de Noël. C'est ça! C'est le Bigfoot, parce qu'en Washington, ici, c'est le Bigfoot partout, là. J'ai failli acheter le shooter avec un Bigfoot dessus. J'aurais peut-être dû l'acheter. C'est pas grave. Il y a plein de monde qui disent qu'ils l'ont vu. Je crois au Bigfoot. Alors, demain, ben non, ce soir, on revient ici. Même heure qu'hier soir, environ autour de 21 h. On est supposé aller manger au resto. Parce que dans le fond, hier soir, on est tous allés se coucher direct. Le capitaine, lui, commute. Fait que, il disait que depuis 7 h le matin, il était debout. Parce que, dans le fond, commuter, c'est. Lui, à place d'aller au travail en auto, il va au travail en avion parce que ça c'est trop loin pour le faire en auto. Donc lui, il habite, mettons, sur l'île Victoria, juste en face de Vancouver. Donc, il faut qu'il prenne un avion pour venir ici. Et après ça, il travaille. Donc c'est pas pire aller travailler en avion à place d'en auto. Et fait que c'est ça, il était fatigué. Fait qu'on n'a pas été hier soir. On va y aller à soir. On va se reprendre ce soir et demain, ben, on retourne sur moi puis André, l'autre a fait avec moi. On va retourner. En tout cas, on espère qu'il va faire vraiment beau encore. Comme aujourd'hui, il faisait beau, gros soleil, le ciel bleu. Vous avez vu sur les vidéos. Il fait 10, il fait super beau, il fait chaud soleil. Fait que demain, on espère qu'il va faire encore super beau comme ça. Là, on va aller sur le bord de l'eau avec où que la grande roue, il y a le pier. Il y a l'air d'avoir plein d'affaires sur le bord proche de la roue. Fait qu'on va aller visiter ce coin-là, vu que là, on a fait tout le coin du market, Pick Market, Pick Place Market, je pense que c'est ça. Fait que c'est ça, on va faire ça demain matin. Yay! J'aime ça, Seattle, c'est vraiment cool, Seattle. OK, faut que je me prépare. Il est l'heure. Bye! Moi, je mange ma pizza. On est arrivé à l'avion. Dans le fond, à Seattle, vu que le terminal est en construction, il faut prendre l'autobus. Donc, on prend l'autobus, l'autobus vous amène à l'avion. C'est pour ça l'arrêt d'autobus. Et voilà. Je montre ça, les autobus comme ça. Voilà. On attend nos passagers qui vont arriver en autobus aussi. Et on est prêt à partir. C'est tout. Bye.